Chers auditeurs fidèles de France Inter, la nuit du dimanche au lundi. Tout commença le jour où mon mari Marcel a dit le roi de Belgique. Le roi de Belgique ? Quoi ? Le roi de Belgique. Alors, monsieur, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je l'avais dressé, mon Marcel, pour tout ce qui concerne le ménage et la vaisselle. Fais la vaisselle. Voilà, ma doudou. Et tu passeras la serpillière. Ah, mais oui, ma doudou. Mais en ce qui concernait les familles royales, les royalties, comme ils prononcent nos amis les Britanniques. Oh, oh, la famille royale britannique. Ça, monsieur, c'est un poème, plus beau que nos Victor Hugo et je ne sais qui. Bref, j'ai décidé de remédier à cette lacune. Qu'est-ce que tu disais, mon chéri, au sujet de la Belgique ? Ben, je disais le roi de Belgique. Oh non, patate ! On dit pas le roi de Belgique, ce qui est excessivement vulgaire, mais le roi des Belges. Ben, pourtant, Doudou, il règne bien en Belgique, moi. On le voit, oui. Monsieur veut faire l'intéressant. Mais non. Monsieur veut me contrer, m'humilier encore. Mais non, je t'assure, Doudou. J'adore les Belges, moi. Enfin, vaguement. Et puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais d'eux, hein? Toujours à déblatérer sur les... Ben écoute, bon, je vois que t'es à cran aujourd'hui. Je vais récurer la poêle. Ah non, ah. Non, non, ah non. Assez de tout ce médiocre. Qu'on s'élève un peu. Merde. D'abord, puisque tu veux avoir l'air de me contrer, dis-moi, qui c'est le roi actuel des Belges? Ben, c'est le roi. Oui, mais encore. Ce serait pas Baudouin? Oh, mais non, non, t'es nul. Ça, c'était l'autre. Bah écoute, s'ils en ont plusieurs à présent... Mais... Ah, ne me pousse pas à bout, Marcel. Je t'ai déjà prévenu. Là, tu me parlais du frère. Oui. Le frère de qui? Du roi. Ben, le roi, justement. Comment? Le roi. Le roi. Le roi. Oh, écoute, je m'y perds, moi. Mais c'est lamentable, hein, lamentable. Oh, vivre aujourd'hui, au XXe siècle, dans un tel état d'ignorance. Monsieur, il ne savait rien d'une inculture crasse. Oh, on ne pouvait plus continuer à traîner comme ça dans le prosaïque gluant. Ça a commencé par des livres. Non. T'as acheté tout ça? Oh, et encore, c'est qu'un début. La matière est inépuisable. Oh, s'il y avait une licence en royaliste, comme j'aimerais m'y présenter. Bon. Eh bien, Marcel, tu vas commencer par... Oh, monsieur, ce fut effarant. Ça l'avait pris, je sais pas pourquoi... Elle d'un milieu si simple. Mais tais-toi, patate. Les Capétiens furent simples aussi de milieu. Et puis un jour, Versailles. Quoi? La royauté, à son apogée, l'étiquette, le rituel, les nobles qui s'inclinent, la cour. Tu veux que j'aille balayer la cour? Bon. Je vois qu'il faut qu'on démarre à zéro. Oh non, non, mais très bien. On va démarrer à zéro. Tiens, prends celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ton premier livre à bûcher, pardi. Et ne me dis pas que tu ne sais pas lire aussi, hein. Ah si, non, mais si, bien sûr. Bon, je peux aller lire au cabinet? Oh mon Dieu, mais quelle décadence! Je parle de toi, hein. Oui. Tu sais que t'as une allure de plus en plus déplorable. Oh, merci. Pas de quoi. Oh, ce tassement, cet engoncement des épaules, cette démarche si commune. T'aurais même pas pu en temps, j'en ai bien peur, faire un valet de pied chez le duc d'Orléans. Hein? C'est qui, le duc d'Orléans? Ben, c'est un duc qui habite, ou qui habitait, hein? À Orléans, peut-être, c'est ça? Première punition, va tout de suite dans ta chambre. Notre chambre, hein? Non, 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 désormais, on fera chambre à part, comme les grands. Eh bien, tiens, tiens,
Potasse aussi ce volume-là. Oula. C'est le Gotha. T'en auras besoin. Pourquoi? On ne répond pas à sa maîtresse. Oh, ben... Oui, mais enfin, je m'entends. Allez, oust! Faire chambre à part, monsieur. Surtout qu'on habite un F1. Ça allait pas être facile. Enfin, j'ai pas renoncé. J'ai essayé de m'instruire. J'ai attaqué dans l'ordre les rois. Oui, c'était son premier livre, de base, comme elle disait. Le Gotha, j'ai eu plus de mal. C'était plein de noms étrangers. Tandis que le livre, les rois, il y avait dedans des... Je vais t'interroger. Oh, pas trop dur pour démarrer, hein, Doudou? Je m'appelle plus Doudou, mais Denise. Et encore, je trouve que tu devrais dire « ma femme ». Écoute bien ma question. Elle est simplissime. Ah. Quelles sont les principales familles dynastiques de France, malheureusement en République momentanément? Tu vois que je reste dans l'ultra-primaire encore. Ouf. Faut que je réponde? T'as intérêt. Bon, y a les Valois, les Bourbons, les Orléans, les Bonaparte. Oh, c'est parvenu, tu peux les oublier. Bon, attends. Bon, je prends un nom au hasard, là. Clémentine de Belgique. Ah non, des Belges. Tu veux que je te renvoie avec un blâme? Bon. Je dis donc Clémentine de Belgique. Ça te dit quoi? Quoi, Clémentine des Belges? Non. Bah, tu t'as dit qu'on disait jamais plus de Belgique, mais des Belges. Pas avec elle. C'est une maudite rejeton, même par alliance de ces Napoléons que je hais. Oh, bah alors... S'appeler Napoléon. C'est dingue, non? Mmh. Léon, Napo, et pourquoi pas Loulou? Oui. Quoique, y en avait un chez eux qui s'appelait Plomplom. Ouais, je t'appelle bien Doudou. Hein. Non, ne m'appelle plus Doudou. Qu'est-ce qui se passe, Denise? T'es plus la même. J'ai décidé de changer de vie. De changer de tout. Donc je supporte plus notre existence mesquine d'aujourd'hui. Mmh. Ça nous sera difficile d'en avoir une autre. C'est comme pour la chambre. Puis on n'est pas si à plaindre. Oh, mais tais-toi. Ce qu'il faut, c'est s'élever, tu comprends? Habiter une tour, c'est ça? Tu veux dire, essayer de devenir noble. Pas essayer, y réussir. En nous, du moins. Tu piges? J'essaie. Monsieur... Ça devint le bagne. Elle me fit penser des examens terribles. Chaque soir, les week-ends, la nuit, pendant ses insomnies. Pour les miennes, bien sûr. Et les Bourbons Penthièvre, les Bourbons Conti, les Bourbons Sicile, les Bourbons Wurtemberg. Oh, je me trompe certainement. Je jonglais à toute heure de la maison de Modène à la maison de Bade, à celle des Orléans-Bragance. Ah non, je parle pas de leur baraque, hein, mais de leur lignée. Ils en avaient une lignée. Ça montait, ça descendait. C'est beau, hein, tous ces arbres. Ils perdent leurs feuilles. Non, les arbres généalogiques. Ah, c'est un peu embrouillé. Mais non, tiens, regarde. Oui. On prend l'axe principal. Oui. Louis XIV, roi de France, voire maison de Bourbon. La maison mère. Oui, mais tais-toi. Et on suit les cinéments royaux, tous les ascendants, descendants, collatéraux. Il paraît qu'on a les mêmes. Pardon? Ben oui, il paraît que nous aussi, les humbles... Qui t'a dit que je suis humble? Enfin, nous, les simples, quoi. Oh, mais parlez pour vous, monsieur. Ça, vous dire quand elle commence à m'appeler monsieur, je saurais pas vous préciser. Mais ça sonna comme un coup de canon à Versailles. Monsieur, à table. Moi, tant que le repas était servi, je disais trop rien. Mais que faites-vous?
mâche-nez, monsieur. Je mange. Non, vous bouffez. C'est différent. Doudou, pourquoi tu ne me tutoies plus? Marcel était très dur, monsieur, très obtus. Pourquoi avais-je décidé de le réformer, de l'affiner? Le sais-je? Certes, je n'ignorais pas que certains membres de famille royale ne furent pas d'une exquise délicatesse. Le grand dauphin, par exemple, un rustre, tout le temps à la chasse. Même ce pauvre Louis XVI, sans cesse les mains dans le cambouis avec ses serrures. Vous ne pouvez pas laisser ça à de braves artisans qui doivent bien vivre. Oh, oh mais qu'est-ce que je raconte? Je me dis pas tout de suite, monsieur, qu'il a perdu la tête. Non, je pensais, ça vaut bien le lèche-vitrine, les achats par correspondance. Bah, elle fait du lèche-majesté, c'est moins onéreux. Quoique, lorsque je la voyais revenir avec ses paquets de magazines... Ah ! On va pouvoir s'instruire aujourd'hui. Voilà des journaux qui parlent du mariage de Guillaume de Luxembourg avec Sibylla Veller. Veller, Veller, enfin c'est un peu court, non ? Alors... Ils disent qu'elle est la cousine du roi d'Espagne. Eh bien, ça explique tout. Enfin, nonobstant, faut se méfier, hein. Bah, moi aussi, je pourrais dire à la cantonade que je suis la cousine du roi d'Espagne. On allume la télé, madame. Non, non. Ah, à moins que ce ne soit l'émission de Frédéric Mitterrand, là. Tu sais, Dynastie ou Soleil couchant. C'est quoi? Eh bien, tu sais, les stars qui sombrent. Ah oui. Ah, ça, c'est intéressant. Oh, elle y était aussi. Dis Marcel, c'est une question. Oui. Comment qu'on appelle la souveraine des Grecs? On verra ça après le manger. Non, maintenant. Quand je demande, on répond. Compris? La souveraine des Grecs. Attention, c'est un piège. Primaire. La souveraine des Grecs, c'est... La souveraine des Grecs. Oui. Oui. C'est peut-être, enfin, de Grèce, quoi. Oh. Mais arrête, t'énerve pas, madame, je cherche. Hein. Mais vite, vite. La souveraine de Grèce. Oui, oh, t'es nul, hein, nul, nul. La souveraine de Grèce, comme tu croises, c'est en fait la reine des Hellènes. Ah bon? Hein? Ah, fallait le dire qu'ils s'appellent tous Hélène là-bas, même les hommes. Vous me navrez, monsieur. Regagnez votre appartement. J'y suis. Allez tout de même ailleurs. Bon. Bon, je sors. C'est ça. Et ne rentrez pas. T'es dur, Doudou. Pardon. Denise. Oh. Pardon. Madame. Ah. C'est vrai, je fus dure, durissime avec lui. Mais c'était dans un but digne et grand, je vous assure, monsieur. Il y en a qui font collection de photos de Luis Mariano ou de Dalida. Moi, pourquoi j'aurais pas pu rassembler ici une documentation exceptionnelle sur les familles royales qui perdurent? Alors, je vais découper toutes les photos de ce beau mariage du petit Luxembourg avec sa roturière. Là. Vous savez, chers auditeurs fidèles de France Inter, que les Luxembourg sont en fait une branche des Lorraines. Ils appartiennent, ou appartenaient, du moins vérifierai-je, à la famille des Habsbourg. La Lippe des Habsbourg. Oh, mes voyons. Oh, oh, mais oui, oh, mais oui. Oh, oh, oh. Madame, il pleut dehors. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as, ma doudou? Un problème? Oh, mais non, la Lippe. Oh.
Quoi? Mais j'ai la lippe, moi aussi. Tiens, tiens, regarde dans le miroir, là. La lippe. J'ai la lippe. Mais peut-être que je suis finalement une descendante cachée, secrète, mais évidente tout de même, des Habsbourg. Ah, je connais une confiture qui s'appelle Lunebourg. Je crois qu'elle est suisse. Retournez sous la pluie, monsieur, et que je ne vous revoie plus d'un lustre. Ne plus vouloir me revoir sous le lustre, c'était cruel, hein, monsieur. Surtout qu'on n'en avait pas. Tout juste des hallucigènes, enfin je veux dire des halogènes. Oh, je m'y perdais, monsieur. Ouf. Tout ça, ça va vous paraître confus, mais notre vie qui avait été pépère devenait très, alors très difficile. Chez nous aussi, il y eut l'étiquette. Oh non, pas des collants. Quoique ça collait. Chérie ! Oui ? Là, elle s'était laissée aller. Que voulez-vous ? Ça aurait pas été une mauvaise femme s'il n'avait pas tellement pensé à la reine d'Angleterre. La reine des Anglais. Enfin, du moins, je crois. Hein, c'est... Hmm ? Voilà. On va mettre une balustrade ici. Oui, de... hein? Madame. Là, une balustrade avec une marche. Ah, ça, bien sûr, faudra surélever le lit. Je te suis pas... Mais monsieur, allez à Versailles, visiter la chambre du roi, et vous comprendrez. Elle voulait se meubler comme le roi, celui qui avait, paraît-il, un rapport avec le soleil. Oh, non, mais c'était... C'était... Que j'ai fait un bon somme. Monsieur ? Oh ben pas trop tôt, tu émerges. Tu veux quoi ? Monsieur, ma combinaison. Quoi ? Je vous fais l'honneur de vous demander de m'octroyer ma combinaison. Ben elle est sur ta chaise. Il ne comprenait rien, monsieur. Il croyait que c'était un jeu, une lubie, une marotte, qu'on refaisait du guitry si Versailles m'était compté. Tiens, d'ailleurs, je lui payais la cassette. Mais il s'endormit juste au moment où on présentait la du Barry à la cour, quand la dauphine s'avance vers elle. Vous savez, oh, c'était impayable. Madame, il y a beaucoup de monde ce soir à Versailles. Marcel n'avait rien saisi à la finesse, mais il ne saisissait rien. Moi, mais quand me présenterait-on? Quand serais-je enfin admise? Mais avais-je quelque chose à présenter, à faire admettre? J'avoue que je m'exaltais un peu. Vous comprenez, je devais sans arrêt me tenir ferme, ne pas me laisser aller. L'étiquette est une telle discipline. 6 heures, debout. 7 heures, petit lever. C'est pas pareil quand on vit rien que pour soi, hein. On peut dans son privé se lever toute seule, mais dès qu'on a décidé de mener une autre vie plus publique, ça devient plus solennel. Ma blouse. Ma culotte. Ma jupe. Mes bas. Oh, mes bas. Mes charentaises. Marcel passait tant bien que mal, plutôt mal que bien. Et moi ? Quoi, toi ? Vous désirez ? Tu me passes pas, mais... Ben, quoi ? Mais dépêchez-vous, je dois me rendre à mes ablutions. Les vêtements, moi j'ai... Mais non, monsieur, toi t'es consort, vous comprenez ? Ah non, pas tellement, non. Un consort, ça c'est facile à comprendre tout de même. Le consort. Mais j'ai l'impression que tu m'insultes. Hein. Oh, mais pas du tout. Même le prince d'Édimbourg en est un. Et il n'en a pas fait tant de manières. Ah, permettez, madame, il me semble que... Suffit. À la chapelle. Sans prendre le café. Oh, la chapelle.
Je faisais ça, faute de mieux, dans la buanderie. Je m'étais mise à la religion. J'avais pour exemple Madame de Maintenon, et je me disais comme elle, « Faut beaucoup prier Dieu si on veut arriver à quelque chose. » De toute façon, ça pouvait pas me faire de mal. Des souverains, j'en ai jamais connu, qui n'étaient pas extrêmement catholiques, pratiquants et tout, officiellement du moins. Mais même les protestants, ils protestaient peut-être dans les boudoirs, mais en public, devant le peuple, à genoux. Là, monsieur, je commençais à m'inquiéter, car elle avait décidé de faire comme à Versailles. Alors que normalement, elle travaillait. Elle aurait dû être à Nanterre, à la Sécurité sociale, où elle allait de moins en moins. D'abord parce que c'était pas la porte à côté, et qu'elle avait de plus en plus à faire avec cette étiquette. Le petit lever, le grand lever, les repas en public devant la cour. Alors on avait beau avoir pour ça Azor, notre levrette, et deux ou trois chats du coin. J'ouvrais la fenêtre pour élargir l'assemblée. Puis, le petit conseil, le grand conseil. C'était en général au sujet des factures. Elle épluchait tout, renvoyait parfois les dossiers, comme si on n'aurait pas pu régler tout ça sans toutes ces manières. Et puis moi, ça m'aidait pas dans mon métier. Je suis plombier. Les clients appelaient pour des urgences. D'accord, au 93 boulevard Murat. Ce sera fait. J'arrive. Murat ? Mais quelle horreur ! Pas question, tu bouges pas, hein ? Ce régicide, ce bourreau de la reine Marie-Caroline, qui l'a obligé trois fois à faire ses valises et quitter le royaume. Oui, mais là, c'est pour une fuite et dans les douches. Mais désolé, annule. Oh. On a chasse à 2 heures. J'ai pas mon permis. Je te l'accorde. Ah bah alors donc, tu m'autorises à aller réparer la douche. Alors, toi, pendant ce temps-là, tu iras peut-être à la sécu. Tes dossiers s'accumulent. Non, hein. C'est trop juste. 3 quarts d'heure après la chasse, on a petits appartements, puis grands appartements. Monsieur, je vous assure, au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Le fou. Il pensait que je plaisantais. Bien sûr que je savais presque qu'on n'était pas complètement à Versailles. Je le sais même carrément, hélas. Mais je pensais Louis, le grand Louis. Il a dû attendre aussi que les arbres poussent, que le château soit fini. Ouais, j'ai d'abord pris ça à la rigolade. Enfin, j'ai essayé. Surtout lorsqu'elle a voulu me donner des leçons de savoir-vivre, un après-midi, en prenant le thé. Thé ? Quoi ? Thé ! Ah, du thé ! Non, merci, je prendrais plutôt du café. C'est pourtant 5 o'clock. Je connais pas cette marque. 5 heures ! Mais assieds-toi et prends le thé. Enfin, pense à la reine d'Angleterre qui fait pareil à son Buckingham. C'est régénérant. Regenerating. Ah ben à propos, lisez-moi, séant, ce point de vue image, que je me mette bien dans la tête la liste des invités qu'il y avait au mariage de cette petite, oh, très petite, Sybille Lavellère. Une seule bombe placée dans la nef de la cathédrale et l'Europe devenait une immense république. Tout le Gotha. Non, j'ai pas dit de la politique, mais la liste. Ah oui. Des invités prestigieux. Autriche, l'archiduchesse Karl. Oh. L'archiduc George. Georg. Ah, ouais. Bavière, le duc et la duchesse de Bavière, plus leurs 5 filles. Oh. Ah ben, ceux-là, ils gênaient pas, hein. No comment. Espagne. La reine Sophie, oui. L'infante Elena, si. L'infante Christina, bueno. L'infante Pilar. Ça durait des heures, monsieur. On lisait aussi tous les menus, les faire-part, les carnets, ceux du Figaro, of course, mais même les échos de la cour d'Angleterre, du Times, en anglais. Her Highness the Princess of Wales received today the Honorable. Oh, ta prononciation est catastrophique, hein. Enfin, c'est pas tout ça, je dois me mettre à mon courrier à présent. Oh, my God, toutes ces lettres à envoyer. À qui ? Au prince et à la princesse Édouard de Lobkowitz, entre autres. Ah, ils t'ont donné quelque chose ? Question oiseuse. Ils marient leur fils, le prince Charles-Henri. Ils nous invitent ? Oh, ça suffira, vous pouvez vous retirer. Bah où ? T'as pris tout l'appartement ?
je le reconnais, je délaissais peu à peu mon époux. Que voulez-vous? Il n'avait pas la bosse mondaine. Non, non, je ne veux pas dire que je souhaitais qu'il soit bossu. Oh, vous, oh, que me faites-vous dire, monsieur l'auditeur de France Inter? Oh, vous êtes d'un coquin, vous, hein? Non, non, franchement, parlons carte sur table. Dès qu'on entre dans ce milieu, on n'en sort plus. Il y a tous les anniversaires, les jubilés, les messes souvenirs, et pour rien au monde, je ne raterai désormais l'office expiatoire en l'honneur de la mort de Louis XVI. Et puis, il faut aussi acheter la gerbe à déposer sur la place de la Concorde. Quoique, je ne me plaigne pas, on s'y faisait des connaissances. Beaucoup de Portugaises, très chic, elles aussi amoureuses des têtes couronnées. Parce qu'il faut qu'on réalise, comprenez bien, monsieur, ces gens, je parle des royalistes, ils sont à la fois très recherchés, mais très délaissés. Faut reconnaître, ils sont en plein trouble dans les maisons royales. Moi, si j'avais le temps, j'écrirais un ouvrage sur ça. D'où notre mission à nous, les adeptes, les consoler, en tout cas, surtout, pas les abandonner. Même si ça doit être au prix de quelques contrariétés familiales. Et je ne nie pas, surtout, lui répétez pas à l'autre, quelques sacrifices financiers. Le pire, monsieur, c'est quand elle se mit à les subventionner, toutes les altesses. Oh, juste un petit chèque. Voyons. Oh, mais je vous interdis de... Oh, c'est mon carnet de chèque, hein. 500 francs. 500 francs pour la princesse Margaret. T'es pas folle. Ah, mais laisse, enfin, c'est pour ses œuvres. Et puis, la chère, elle a eu tant de malheurs avec tous ses divorces. Il y en a qui nourrissaient les petits Africains affamés. Elle nourrissait les ducs et les archiducs. 200 francs pour le duc de Vendôme. Là, navrez votre altesse, mais je peux pas faire plus cette fois-ci. Alors, j'ai décidé de mettre le hol. Vraiment, monsieur, vous voulez me censurer? Oui, madame, je te coupe les vivres. Et ça signifie quoi, monsieur? D'abord, tu te remets à m'appeler Marcel, comme au bon vieux temps. Mais non, monsieur, non. Il n'y a jamais eu de bon vieux temps. Faut se faire à cette idée. Le vrai, le vieux temps, le vrai, c'est eux. Léo Enzelern, Neval Purzel, Romanov, Savoie, Crusol d'Uzès, Battenberg. Que la ferme avec tous tes étrangers. Tiens, prends déjà ça. Ah! Oh! Oh, vous me rudoyez, monsieur. Ouais. Eh ben, je te dis que ça suffit. Oh. Je croyais qu'on s'amusait un peu. Ça remplaçait une sacrée soirée ou Radio Bleu. Mais maintenant, c'est fini. Eh, Nini, c'est fini. Et que comptez-vous faire? Retourner à votre pétanque, au loto ou à la coupe interchampion de Bridger du Lot-et-Garonne? Je compte revenir à nous. Mais nous, c'est rien. Ah. Enfin, ma doudou. Hein? Pardon. Madame, ma princesse. Ah. Souviens-toi de notre poulet du dimanche. Un poulet d'élevage. Et en batterie, en plus. Oh, peut-être, mais alors si tendre, si gras, avec des frites et puis du jus. Et le bouilli du mardi. Ah. Hein, la sole du vendredi. Les mille feuilles du dimanche. C'est un résumé de vie absolument mesquin que vous m'infligez. Je ne marche plus à nos menus. Bah, tu me dis tu ou je... Ah, c'est ça? Mais c'est ça! Souffletez-moi, allez! Bafouez-moi comme toutes ces reines que le destin accabla, mais qui surent tout de même, tête haute, faire front à l'adversité, qui montèrent à l'échafaud, posèrent sur le billot leurs longs coups de cygne. Mais qu'attendez-vous pour me le trancher? Oh, ton cou, il est pas si long, hein. Je le trouve même très court, trapu. Oh, il est ignoble. Mais c'est immonde, se moquer d'une femme à l'instant même de sa mort, en osant pinailler pour quelques centimètres de cou. Oh, non, écoute, chérie, non. Arrêtons. Je sais plus de quoi on parle. Mais moi, je le sais, allez. Rien n'a changé sur cette terre. Les faquins gouvernent toujours notre monde. Et les femmes souffrent. Oh. Les femmes qui ne peuvent plus supporter que la vulgarité ait établi son empire sur nos sociétés. Mais quoi qu'à cause, là? Pauvre société déstabilisée par le lucre, l'absence de respect, le mépris du rêve, du beau, du grand, du sens, du devoir. Ma femme déraillait totalement, monsieur. J'allais dormir dans le cagibi.
Oui, parce que j'avais plus droit à la chambre royale, comme elle disait. J'étais qu'un manant, moi, pire, un consort. Consort, qui sortait plus du tout, parce qu'on était claquemuré en permanence. Comme la reine des Anglais ne l'appelait jamais à Windsor, elle refusait en attendant toutes les invitations. Adieu les gueuletons chez nos amis Maurice et Yvette. Pourtant, on y bouffait bien. Ils avaient eux aussi des revues sur les rois et les reines, mais ils en faisaient pas pour ça une jaunisse aristocratique. Vous voulez que je vous dise, monsieur? Tout ça, c'était que des prétextes. Le prétexte de quoi? Elle préparait en fait l'annulation de notre mariage en cour de Rome, monsieur. Même, elle voulait mettre le pape dans le coup. J'ai pas vu le dossier. Mais elle m'y accusait d'horreur, monsieur. J'aurais pas mérité ce qui paraît sa main, et patati et patata. Elle avait découvert des empêchements. 30 ans plus tard. En croyez-moi, monsieur, elle faisait peut-être partie des gens appelés à être anoblis, mais moi, j'étais pas aussi de la dernière pluie. Issu de la vieille école, à ma façon, je saurais me montrer, s'il fallait, plus papiste que le pape. Jamais je ne consentirais à laisser désunir par les hommes ce que Dieu avait réuni, même si ce jour-là, il aurait mieux fait le bon Dieu d'aller se promener ailleurs, et moi de rester au lit. Tant pis, c'était fait. Elle m'avait voulu, elle me coltinerait jusqu'à la fin, et idem moi avec elle. Le coup d'État, c'est comme ça qu'elle le nomma, éclata la veille de la Toussaint. Je dormais comme je pouvais dans mon lit de camp. Monsieur, réveillez-vous. Quoi? Au nom de la reine et dans l'intérêt de mon état, je vous mets aux arrêts. Reine? Hein? Quelle reine? Ah, c'est toi encore, Doudou. Déjà habillée? Et avec une cape en peau de bique sur le dos? Sans compter une couronne sur la tête, mais Doudou, on n'a pas encore acheté la galette des rois, et l'affaire, elle n'est pas trouvée, à ce que je sache. Assez. Vous êtes destitué. Quoi? Limogé. Répudié, si vous préférez. Vous ne m'appartenez plus. Vous êtes en disgrâce. Ben ça, je l'avais déjà remarqué. En conséquence, et dans l'attente qui cède un châtiment plus sévère, je ne veux plus vous voir à ma cour. Hein? Vous êtes prié de quitter le château dans les 12 heures et de vous rendre le plus loin possible sur une de vos terres de province. J'en ai pas. Trouvez-en. De toute façon, lorsque je dis « vos terres », c'est une façon de parler. Allez à Maubeuge. Chez votre sœur. Dans son coron? Hors de question. De toute façon, ma sœur, elle a jamais pu me piffer, et c'est réciproque. Quittez ma vue. Jamais. Vous feriez bien de m'obéir, monsieur, ou votre sort pourrait être plus dramatique que celui du masque de fer. Non mais ce qui est dramatique, c'est de t'avoir connu. Vouloir me flanquer un masque pour me bâillonner, c'est ça, hein? Et même pas un masque en inox, tout juste du vieux fer. Mais tu m'auras donc déçu jusqu'au bout. Je l'avoue, je perdais un peu la tête à ma façon, mais Marcel était si collant. Moi aussi, je perdais la tête. Je lui criais « salope » 8 fois. « Salope, salope, salope. » Merci, salope, on a compris. Salope, 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 bon, salope. Allez, je t'aide à déménager. Elle balança toutes mes affaires par la fenêtre, monsieur. Flanc sur le trottoir, sans aucune pitié. Enfin, comme aurait dit Voltaire, car moi aussi j'ai aidé l'être. Je l'avais servi, et elle aurait dû se souvenir que j'avais consacré les plus belles années de ma vie à m'atteler à la supporter. Tant bien que mal. Et à faire au moins la vaisselle, et même plus. Car comme femme d'intérieur et cuisinière, alors ça laissait à désirer. Non, flan, 30 ans de vie commune jetée sur le pavé. Ça fait mal. L'automne était mouillé, l'hiver s'annonçait coriace. Déjà, les gelées s'affalaient sur les prés. Il m'arrivait même d'avoir des ongles. Adieu! J'assurerai la régence! Peut-être! Mais t'auras pas ma bagnole! Je le reconnais, on sombrait dans le sordide. Car chez les princes ou les ouvriers, la fin d'un amour, ça se montre tout aussi implacable, non? Tu ne réussiras pas à m'attendrir! Oust! Clac! La porte sur moi. Je restais sur le palier. Alors? Et c'est là où ça se corse. Je l'entendis qui téléphonait. Allô? Prince Amin Khan? J'en étais sûr.
avec un maghrébin. Your Highness? C'est moi, Denise. Oui, oui. Ah, yeah, je serais si ravie de vous recevoir pour un tea. 5 o'clock. Oui, c'est ça. Amenez vos photos. On regardera le book et on fera des échanges. Je la connaissais à présent. Sa stratégie était lumineuse. D'abord, s'attaquer à un émirat du Moyen-Orient. Puis, évoluer en direction d'une principauté d'Europe centrale, même de superficie insignifiante, le Liechtenstein ou le Monténégro. Elle n'aurait pas dédaigné non plus Monaco. Puis, pénétrer dans une famille royale de l'Ouest, son rêve étant de devenir au moins cousine de la reine des Anglais, pour qui elle avait une adulation vraiment excessive. Je vous jure, monsieur, Catherine de Médicis, c'était une enfant de cœur en comparaison d'elle. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser faire, de réagir moi aussi. J'avais suffisamment de preuves, vous comprenez, de son dérangement. Même Monseigneur le Comte de Paris et Madame, son épouse, avaient bien daigné m'apporter leur témoignage. Ah bah tenez, je vais vous les lire. Elle les harcelait depuis qu'ils s'étaient recollés ensemble tous les deux. « Faites-nous des enfants pour sauver la nation !» qu'elle les exhortait. Et eux de me répondre sous huitaine en recommandé. « Vous faites arrêter cette folle, ça ne peut plus continuer ces cartes postales de vacances à la boule. Ouais. » Et dites-lui qu'au sujet d'une éventuelle progéniture, madame lui fait savoir qu'on a déjà donné, signé le secrétariat privé de la Maison de France. Non mais, vous vous rendez compte? Elle allait même me mettre à dos ces gens-là, car on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Hein. Enfin, vous avez saisi, l'initiative vint pas de moi, mais du comte de Paris. C'est clair, non? Un ordre, en fait, faites arrêter cette folle. C'était noir sur blanc. Je pouvais donc foncer. Ah! Non, mais non! Ah! Madame, mais je vous interdis de m'emmener! Mais vous n'avez pas de lettre de cachet! Oh! Mais d'ailleurs, vous ne pouvez pas les avoir, c'est moi qui les signe! Oh! 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 Régicide! Régicide! Ah! Oh, vous seriez destituer votre reine! Tout ça parce qu'elle ne désirait que faire régner en notre pays la douce tyrannie de la beauté! Vous voulez faire une interview? Oui, oui. Oh, ma femme est devenue bien calme à présent. Pardon, je vous fais passer. Oui, merci, monsieur. Elle qui voulait une vie de château, elle en a une. 46 chambres comme la sienne, toutes molletonnées, et donnant sur un parc, avec un service de premier ordre, un personnel d'au moins de 27 personnes. Oh, pas servi au lit, où elle est généralement attachée, mais ça ne la gêne pas. Non. Habillement, orchestre, irréglement. Oh, elle qui voulait une étiquette. Vous savez, petit lever, piqûre. Oh. Grand lever, pilule. Oh. Parfois, c'est le jet d'eau. Ah, le jet d'eau. Elle adore. Ah, oui. Et on lui a même placé des grilles aux fenêtres. Oui. Mais elle répond que ça lui rappelle la conciergerie. En somme, elle s'est très bien adaptée. Oui, on peut dire ça. Coucou. Coucou. Qu'est-ce que ce c'est? Ton consort, ma chérie. Posez vos placets sur la table de nuit, mon amie. Elle me reconnaît jamais. Oh. Oui, elle croit que je lui apporte le courrier d'État. Oh. Voilà. Merci, mon brave. Je répondrai plus tard. Mais ne vous faites aucune illusion. Je ne gracie plus jamais. Le laxisme a trop régné sur ce pays. Faut serrer enfin la bride. C'est ça. D'accord, ma doudou, d'accord. Ah, je t'ai amené aussi une visite. Un journaliste. Il trouve ton cas très intéressant. Oh. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ouais, il va te poser des questions. Parfait. C'est ça. Sortez et laissez-moi avec mon historien. Je dois lui dicter mes mémoires. Ah. Comme Lady Di, quoique...
Je n'approuve pas sa conduite. T'as raison, mon chou. Voilà. À bientôt. Hein. Oui, oui, oui. Oh, à propos, il est très possible que je me remarie. Dors, patate! Oh, pardon, monsieur. J'y étais obligée. C'est un homme qui prétend avoir mené on ne sait quelle vie commune avec moi. Oh, oh, comment est-ce possible, hein? Alors, j'ai trouvé ce moyen, cet endroit, pour couper les ponts une bonne fois pour toutes avec lui. Oui. Ah, c'est pas tout ça. Vous avez votre stylo et du papier? Oui. Ah, alors je démarre. Tiens. Je suis née dans une très bonne famille, quoique ruinée, du comté de Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre. Ma mère était princesse de Luchon. De Luchon. Je fus mariée avec un certain Marcel, plombier de son état. Ma mère désirait que je fasse un meilleur choix. Elle ne rechigna pas en conséquence sur les institutions les plus sélectes. Vous mettrez ça en français le plus banal d'aujourd'hui, hein? Oui, pour faire un best-seller, n'est-ce pas? Voilà. Ma mère souhaitait que je relève le lustre de la famille, que je retrouve un rang trop longtemps délaissé. Aussi, elle... Pardon, pardon, courte interruption. Pourriez me passer cette fiole-là? Celle-là? Voilà, non, à côté. Ah, celle-ci. Merci. Merci, ce sont mes remontants. Voilà, voilà. Merci. Je vous en prie. Le temps est fort beau, n'est-ce pas? Comment vont les cygnes du parc? Le roi fait-il toujours sa promenade autour du bassin de Neptune? Je vous demande pardon, madame. Je mets cela aussi dans le livre. Hein? De Neptune, pardon, je m'égare. Ouais. Je reprends. Je vous en prie, Ma mère, la princesse de Luchon, obligée de gérer un cabinet de nécessité près de l'établissement de bain, me déclara un soir... Voilà, c'était Les Tréteaux de la Nuit de Patrice Galbaud ce soir, un texte de Bernard Acosta, histoire de la princesse Doudou et de son consort, avec Arlette Didier, Henri Poirier et Jean-François Regazzi. Chef opérateur du son Maurice Biard, collaboration technique François Rivalan, assistant Lionel Quentin, réalisation Maurice Audran. Et maintenant, le flash d'information et tout de suite après, La Nuit au Poste avec Michel Grégoire.